Bon, salut les Rey, j'espère que vous allez bien. Personnellement, moi, c'est pas la forme. J'ai vu que notre cher ami Avery a littéralement give up de la ISHC. Je crois qu'on l'a terrorisé avec la raclée qu'on a foutue aux Italiens l'été dernier. Mais bon, voilà, c'est triste. Pas d'ISHC 2021. Ça fait quasiment 6 ans d'affilée que je participais et 5 ans qu'on gagnait du coup. D'affilée avec ma team. Un peu déçu parce que c'était le pic de motivation chaque année pour allumer les DS. Mais bon, là, du coup, aucune motivation. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il va y avoir cet été. Il fallait trouver un moyen de me consoler. Et là, mademoiselle Amoreray m'a gentiment fait un petit cadeau en provenance du Japon. Première fois que je commande au Japon. Et justement, pour la petite anecdote, on s'est un peu fait entuber apparemment, parce que, enfin du coup, Ambre s'est un peu fait entuber, elle a reçu, je sais pas si ça vous arrive vous, quand vous commandez du Japon, mais sûrement du fake, hein, un 06 qui demandait tout simplement, c'est quoi, c'est 2 euros de frais, parce qu'apparemment ce colis était bloqué, il J'ai eu d'autres fallait. frais aussi. Enfin bref, voilà, mais je pense plus que c'est de la couille, mais enfin du coup. Malgré ses péripéties, le collier est enfin là. Et on va voir qu'est-ce qui se cache à l'intérieur. Aïe aïe aïe. Alors ça va être quand même une ouverture assez drôle parce que genre je connais pas du tout le nom des Pokémon abusés. À part l'algorithmique après, je connais mais que dalle quoi. Donc il y a vraiment de beaux boosters. Ça me fait mal au cœur limite de les ouvrir. Parce que vraiment mais ils sont magnifiques quoi. Voilà, et là bien sûr le spoil, deux boosters, je sais c'est la collection Shiny là, je sais pas quoi. Franchement j'y connais rien du tout en carte, mais je sais qu'ils sont rares et que on les ouvrira à la fin. Et en plus du coup il y a 10 cartes sur cela, c'est assez cool. Allez on va commencer par celui-là, c'est parti. Alors là je saurais pas vous dire de quel... Ce qui est écrit. Ce qui a écrit, je vais augmenter la luminosité. Merde. Et ben allez. On est tu pars. Putain, incroyable. J'ai pensé à prendre des ciseaux pour ouvrir les boosters. On est parti. Ah, trop beau. Alors, si je dis pas de conneries, c'est comme ça. On est parti. Le beau petit Flamiaou, Rondoudou, Osselet. Ah, c'était peut-être la. Oh, mais c'est une holo alors qu'on a derrière. Félinferno. Ok. Je tape Mewtwo holo. Il est super beau. Non, c'est avec la luminosité, mais ça paraît hyper sombre. Putain, elle est T'as vu stylée quand même. l'image? Non, mais c'est bon. Putain, mais surtout le dos des cartes comme ça là, mais putain, c'est trop trop beau. Bon, mais super. Bon, mais premier booster, une holo. Ça régale. Ok. J'ai bien sûr peur de déchirer de couper une carte. Bon, déjà, ça commence super bien. Mewtwo holo. C'est super. Hop, on est-tu par? Booster, je vais le mettre là. Hop, hop. Allez, brut à librer. Je vais le mettre là. Mon Orpal. Opermine. Damoclès. L'évolution de mon Orpal. Et une rare. Ouais. Alors, je sais. Genre, c'est l'évolution de. Toxizap, peut-être, ouais, je crois. Super stylé. Putain, première fois que j'ouvre des cartes de Jap, franchement, c'est trop trop cool, je suis trop content. C'est tout écrit en japonais, tu comprends Et ouais. Allez. Bon, ça sera une ouverture express. Normalement, il y aura une autre vidéo de cartes là, dans, je pense, 2 semaines. Je vais recevoir. Mais no spoil d'ailleurs. Vous verrez. Mais je pense qu'il y aura quand même 2-3 ouvertures de cartes cet été. Moyen d'avoir un peu de contenu.
On est reparti. Alors, Tad Morve d'Alola. Galopa. Putain, vraiment les cartes. Le bord, pour les cartes françaises, en fait, tous les bords sont jaunes. Et là, tu vois, là, c'est stylé. Bande d'espiègle. Énergie spéciale. Ouais. Et roi tiflamme rare. Ok. D'accord. Bon, mais pour l'instant, le Mewtwo, il régale. Il est beau. Ouais, mais bon. Putain, il reste les deux derniers boosters, là. Lequel des deux? Lequel? Lui? On est parti. Du coup, là, je sais, donc, il y a 10 cartes. Et que c'est... je crois que c'est les 3 dernières qu'il faut basculer devant, de ce que j'ai vu. Alors... 1, 2, 3... Oh, c'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est, ça? C'est Silveros, ça? Extension. Mais qu'est-ce que c'est, ça? Ah bah oui, on comprend tout. Bah, faudra voir le QR code YouTube. Bon, alors là, j'ai aucune idée de ce que c'est. Bon, on est parti. Oh bah merde. Quoi? Bah, je me suis chié. Oh. Oh merde, je me suis totalement fail. J'ai foutu les... T'as foutu les plus rares au début? Ouais, attends. Non mais on les a vus. Bon, on verra après. Attends, quoi? Quoi? Mais attends, mais il y a une autre... Attends, mais, mais alors, fallait pas que je touche? Ah non, mais c'est juste qu'elle brille toute. Ah non, mais pourquoi c'est la... Bon alors, Poulpuff Reverse? Je sais pas, je crois qu'il y a même pas de... Bon déjà, il y a quelque chose, ça fait trop plaisir. Darumacho de Galar. Mimigal. L'évolution de Charby. En plus, j'ai Charby Shiny, je l'ai jamais fait évoluer. Je sais, Vagomine, je crois que c'est. Alors là, je connais, mais je suis une brale, il faut vraiment que pour la prochaine. C'est sa petite, ça, et ça, c'est l'évolution? Ouais. En haut, là, à gauche. Je sais plus comment il s'appelle, lui. Énergie feu. Kéléocroc, et l'autre, c'est. Et du coup, ben, Zacian, je crois que c'est Zacian que ça se dit, en holo, ouais, mais... Alors, du coup, celle-là, c'était Melodelph. Je crois que c'est Melodelph, ouais, quand même, je vais pas abuser. Deux holos, ok. Enfin, ça doit être propre à la collection, alors, d'avoir des cartes brillantes. Et, attention... Oh, elle est trop belle. Grippad V, dédicace à Mathieu, qui bien sûr a eu en plus son Grippad Shiny à cette table l'été dernier d'ailleurs. Grosse dédicace à Mathieu. Ok, au moins j'aurais eu un V, c'est nickel. Alors je comprends pas, je demanderai à Mathieu qui lui s'y connaît. Ouais, c'est bien, ouais. Mathieu qui lui s'y connaît beaucoup plus en carte, et je sais pas pourquoi j'ai tapé la 2 Zolo et une genre de reverse. Ok, ça roule ma poule. C'est ça la mini. Bon, on regardera après. Bon, c'est dernier booster. C'est petit qui joue avec tes cartes. Ouais. Pokémon. Super. C'est des combats en fait. Ok. Comme Yu-Gi-Oh. Bon, mais du coup, demain, prochaine unboxing, je me dois de connaître les cartes. Le nom des Pokémon, quand même, c'est vraiment un combat. Alors. Mais du coup, les trois dernières, j'ai mis les trois dernières devant. Et elles ont été... Mais non, bon, alors en fait. Oh putain, il y a quelque chose. Il y a quelque chose encore. Alors je sais pas si c'est dans tous les boosters qu'il y a quelque chose, quand même, je pense pas, mais. Mais bon, c'est cool qu'il y ait quelque chose pour la fin. Alors pareil, je sais pas qu'est-ce que c'est ça. Aucune idée de ce que c'est cette merde. Ah, il y a pas de QR code là. Non, il y a pas de QR code. Bon. On s'en branle. Mouton. Franchement, mais la carte, elle est trop mignonne de mouton. Okay. C'est nul, ça. Ça, c'est un fossile, je suppose. Ben, Charby, du coup. La sous-évolution de Wagmine. Énergie mes couilles. Grippat. Oh, non.
Bah si, c'est celui que t'as là. Non, oui. C'est le même ? Ah non, c'est Scolocendre alors. Grippat, c'était... Non, ça c'est Scolocendre plutôt. Oh, je suis un bolos. Après. Oh, ben, bah, Charby Shiny. Oh, j'ai trop de chat. Et ben, je tape un Charby Shiny. Elle brille, elle. Putain, trop cool. Non, alors, elle est pas Shiny. Non, mais elle brille. Attends, à moins que l'autre était Shiny. Le poule paf. Non, c'est juste que pour moi, genre, j'ai tapé un Shiny. Non, mais là, c'est un Shiny, t'as les étoiles et tout. Oh, ouais, j'ai tapé un Charby Shiny. Super. Alors, lui, je sais plus comment il s'appelle. Ça, c'est le fossile aussi, je sais pas comment il s'appelle. Oh wow. Métamorphe VMAX. Bon, ça, on s'en branle. Métamorphe VMAX. Non, mais attends, mais cette ouverture de fou à la fin. Oh, trop cool pour ma première VMAX. Et... Putain, mais ça. Ça, c'est super cool. La texture des cartes japonaises, vraiment. Ouais, mais les autres, elles sont pas comme ça. En français, quoi, on n'a pas du tout ça, quoi. Les autres, elles sont pas comme ça avec elle. Putain, vraiment génial. Elle ose... Oh, non. Wow. Alors, celle-là, moins. Non, ouais. Elle est trop belle. Alors, mais putain, mais. Et le shiny aussi. Non, mais l'ouverture de malade. Alors, hâte de voir combien ça coûte pour tout revendre. Je rigole. Oh. Je rigole. Non, mais putain, mais trop cool, le Charby Shiny, franchement. En plus, la carte, elle est vraiment propre. Je les protégerai tout à l'heure. Oui, parce qu'il est noir, normalement, il est gris. Ouais. Mais de toute façon, je l'avais déjà eu, un Shiny, sur la Switch. Ma première VMAX, ma première V, mon premier Shiny, mes premières Zolo, mes premières Zolo graphiques Jap. Franchement, mais c'est pas mal du tout. Celle-là aussi, du coup. Ben, celle-là, du coup, c'est des Zolo, alors faut que je demande à Mathieu... Ça, sûr, c'est une holo, mais ça, peut-être, vu que c'était des packs shiny, peut-être que c'est directement intégré, c'est pas comme des holos, je sais pas. Non, mais t'as vu, les bords, ils sont pas blancs. Ouais. Bah, du coup, il y a eu Zacian, il y a eu Melodelph, Paris Poulpaf, je sais pas pourquoi il brille. Je demanderai conseil au maître Pokémon, à mon maître vénéré. D'ailleurs, aussi, la canne à pêche, elle brille aussi, d'ailleurs. Ça donne la carte, t'en as eu un à foutre d'elle. Ouais. Après, on avait eu ces deux merdes en rare. Mais bon, vraiment, les quatre cartes là, c'est. Putain, j'ai pas envie de les abîmer. Il y en a trois. Non, mais les Mewtwo, Holo, magnifique. Métamorph VMAX. Scolocendre V et Charby Shiny. Franchement, ça régale. Merci beaucoup à moi pour ces belles cartes. Et si ça vous a plu, d'ailleurs, je vais vous mettre un lien, si j'ai pas la flemme, le lien du site ouais, auquel on les a commandés. Franchement, c'était hyper rapide, quand même. Et voilà, on se dit à la prochaine. Salut!